la galère à deux sur une canette. J'fumais des joints, j'étais dans ma planète. J'ai vendu des barrettes car fallait des sommes. On partait en courant quand j'avais des cendres. Aujourd'hui j'ai grimpé, j'compte pas redescendre. Aujourd'hui j'ai grimpé, j'compte pas redescendre. Jamais. Et j'compte bien faire du sale. Ouais, poto. Il m'a mis un néon bleu sous la voiture. Et de base, il n'y avait pas de toit dans la voiture. Il m'a rajouté un toit. Elle bombarde, elle est trop agréable à conduire, vraiment. Elle est trop maniable en fait. Je vais plus jamais rentrer dans un mur et tout, c'est fini ça. Vraiment, vu comment il me l'a maximisé au bas. T'étais en manque de d'affection. Peut-être que je pouvais te ramener. Tu parles à moi? Oui, à toi. Une pute. Ouais. Et arrête, elle a des poils en dessous du bras, ça, mais. Ah non, c'est. Ah non, elle a bien des pieds. Ouais, mais non, merci, j'ai pas la tête à ça, là. Rachida, viens. Oh, carrément. Non, j'ai des problèmes d'érection. Carrément, j'ai des problèmes d'érection. Et frotter son gros tarmac, mais c'est fini, la manade. Mais range ton arme, sois détendu, détends-toi. Oh, elle est là pour te détendre. Non, mais non. Elle est là pour t'apaiser. Non, pas besoin de détente, là. Arrête. Ah, je peux tout faire, hein. J'ai un vrai couteau suisse. Jure. Oui. Allez, vas-y, monte, monte. Accélère. Vas-y, on vous laisse. Viens. Accélère. Ton pantalon, là. Ma souris sur le gâteau, ta daronne fait un strike gâteau. Je suis bien, je suis posé, j'ai une calaïque, elle gâteau. Ta daronne sait pas faire des gâteaux traditionnels. Comme Traoré, je marque dans le temps additionnel. Voilà. Voilà. Ok, ok. Je suis un sentinelle. Ok, ok, ouais, je joue numéro 6. Je suis un numéro 6, c'est un peu comme Paul Pogba. Là, je me sens sentinelle. Si tu te sens avoir poussé des ailes, pas je te les découpe. Je te dis même ça, qu'est-ce que t'as vu ta coupe? Ta daronne, je la découpe. Non, la plaquette, je la découpe. Et je suis bien précis, comme un peu Léo Messi dans un bon coup. Vous voulez que je mette la tenue? Wesh, bien ou quoi? C'est qui? Wesh, c'est Bachir, mon frère. Ah, tu l'imites. Mais... De quoi? Bachir? Ouais. C'est toi? Ouais, c'est moi, pourquoi? Bah, ta voix, elle est bizarre. Wesh, je suis un peu fonce-carte. Hein? Tu sais pas, il a fait quoi? Montre-moi ta carte d'identité. Pourquoi? Je veux juste vérifier. Wesh, c'est Bachir, mon frère. C'est bizarre, voilà. C'est bien ok. Chiant, ok. Ça va quoi? Ça fait quoi là? Vous pouvez me faire une facture s'il vous plaît? De filles, hein. Moi je fais des discours à beaucoup de filles. Oui, oui. Tu mens, t'as la preuve. T'as pas fait un beau discours à ma copine Queen? Mais n'importe quoi. Moi j'ai fait un beau discours à Queen. En plus, qu'est-ce que tu me racontes? Queen, elle est en couple. J'ai du respect quand même pour les meufs en couple. Ah bon? Ah, c'est bizarre, hein. C'est pas les échos que j'ai eu moi. Mais attends, est-ce que vraiment tu vas écouter les échos? Eh oui. Et donc tu vas pas me faire confiance? Oula, non. Donc jamais on va se date? Non. Ok, pas de problème. Mais t'inquiète, à force d'en faire plusieurs, t'en auras une. Ouais. Ouais, ouais. Bah, ça y est, tu peux te casser du coup. Bah non, j'attends mes collègues. Et bah casse-toi de mon véhicule. Eh, parle mieux toi, sinon je vais me décommer là. Mais frère, on dirait les meufs IRL quand elles m'envoient des messages depuis qu'elles ont vu le live de Elias, frère. T'envoies ça à combien de meufs par jour? Putain, j'ai la haine, gros. Ça dit quoi sinon? C'est... T'es au gouvernement toujours? Ok, mon ref. Bah vas-y, je te fais un gros bisou. Ciao. Ah, donc le mec, il dit qu'il va crever et toi, tu lui dis je te fais de gros bisous. Ciao. Bah, c'est quoi? C'est Moha la squad qui se fait interpeller ou ça se passe quoi? La squad, ma gueule! Ouais, c'est la squad, les gars, big up! La c'est banane, la squad, la bif! Film! C'est bienvenue quoi? Bienvenue à la banane! L'autre il est là, il dit qu'il va crever, toi tu lui dis ça? Bah frère, je suis comme ça avec tout le monde. Même Vertugo, quand il me dit je vais te canner, fils de pute, je dis gros bisous. Il est en train de te dire, mais t'es con ou quoi, frère? Bah quoi? Il vous emmènerait une enquête lui? Mais j'en sais rien, je suis toutes les personnes qui sortent des quartiers, etc. Même les darons? T'as que ça à foutre de ta journée? Bien sûr que j'ai que ça à foutre de mes journées. Eh ben, elle est nulle ta vie, frère.
Ouais, elle est nulle, hein. Je vais te montrer mon permis de port d'armes, comme ça au moins tu vas pas rentrer au commissariat et dire ouais, j'ai croisé quelqu'un, il était très bizarre, d'ailleurs il m'a braqué avec une arme, je pense qu'on devrait enquêter sur lui, parce qu'à mon avis, ça doit faire partie des plus grands criminels de la ville. Vous me prenez pour qui? Vaut mieux prévenir que guérir. Non mais, d'accord. Maintenant la police j'ai peur, donc je prends des pincettes et je m'assure que tout est bien carré, d'accord? D'accord. C'est bon, vous l'avez bien vu mon permis de port d'armes? Oui. Vous pouvez me déposer à l'hôpital, monsieur, parce que quand même, ma jambe s'est blessée. C'est chiant, quand même. Merci. Là, ta droite. Besoin de renfort. Fais gaffe. Là avec des armes, pointez là avec des armes. Coup de feu. Bien, ça va. Me colle pas. Les ambulances que vous avez besoin, c'est dans le nord. Besoin de renfort. Ah, j'ai fait une roulade, putain. Non, pas un V3, les gars, je pouvais pas, j'avais plus de vie. Pourquoi j'avance? Je suis un sgeg. Je savais qu'il était derrière l'arme, moi. J'ai avancé. Je suis un sgeg. Je me mets devant. Je pourrais vous servir, mais tellement. C'est pour ça. Vous rappelez ce que je vous ai envoyé par mail? On a parlé par mail. Je vous ai envoyé un petit truc par mail. Ah, les nudes. Et. Quoi? Non, excusez-moi. Bref, non. Vous vous trompez de personne, tu vois. Non. Par la présidente. Ok. Je dis ouais, je voudrais divorcer. Vas-y, je vais. Communique. Viens là. Viens au gouvernement. Ok. Ouais. T'es sérieux? Je suis vraiment désolé. Allez, casse-toi. Pétasse. Arrête, c'est bon, on rigole. Iris, qu'est-ce que tu fais? C'est que là je... C'est Fabrice. C'est qui? C'est Fabrice. Salut. Attends, c'est Fabrice. Je l'ai relooké. Je suis la reine de Polynésie, je suis Sylvie. Oh mais non, elle abuse. Bon, vas-y, je vais m'excuser. Mais elle a vu, c'était une petite blague. Attends, il y a juste un numéro final. Vas-y. Salut mon ref, je t'aime trop, t'es trop un bon, grosse force, je te suce. Quoi? Tu peux mettre une godette à Mathieu Lomas et le traiter fils de pute, merci que j'ai. Mathieu Lomas! On va au gouffre du coup! Fils de pute! Toi, t'es quoi officiellement au gouffre, Mason? Normalement, la police, vous suivez les gens type Renoir, pas les gens blancs comme moi! C'est comme ça normalement en Amérique. Monsieur, vous croyez qu'on est raciste? Bah oui. Bah non. Quelle question? Bah oui. Bah non. Mais si, vous êtes raciste. Mais ça se fait clairement pas d'être raciste. Vous croyez qu'on est où là? On a appris les bonnes valeurs. On est aux États-Unis, monsieur. On m'a appris à New York à ne pas être raciste. On m'a appris à être égaux avec toutes les personnes. Ça n'a rien à voir, vous êtes vous-même. Je suis vraiment très déçu. Je suis déçu de votre part, monsieur, que vous croyez que je sois quelqu'un de raciste. Écoutez, je suis vraiment désolé. Déçu que je suis déçu que vous pensiez que la SPD est raciste, monsieur. Ah! Ah, Hafida! Namchi pouhda! Ana nkoujja w ndira f lkoffre! W namchi maaya! W namchi maak, al Hafida! Al zwina! Namchi maak! La playa! La playa! C'est une nuit! Ah! Non, bah, le il faut des cris à la fin. un petit peu des cris. Encore un petit cri, encore. C'est un clone de mort. Ouais, ça fait. Ah, monsieur, j'ai pas vu de gonfler là où ça fait dehors là, ça fait dehors. Allez. Non, alors, ok, la musique pour. Non, mais dégage, ouais. Allez, on passe. Oui, oui. En plus, oh merde, c'est allez, monsieur. Genre...
exactement ce que j'avais vu et ce que j'avais répété. Attends, Eliko. Je l'ai dit. Écoute-moi. Vas-y, écoute. Juste écoute-moi. J'ai tout répété. Et de là. Attends. De là. Oh putain, excuse-moi, oui. De là, on m'a dit. Fils de pute, ma voiture. Le mec qui était à côté de moi, qui avait un masque, il m'a dit qu'il a passé un appel. Il a dit qu'il avait la cible à côté de lui, que j'étais utile à rien, tout ça. Il m'a emmené sous un tunnel, il allait m'abattre, mais par bonté du cœur, cette personne a décidé de m'épargner. Et il m'a dit de plus jamais revenir dans la. Je suis actuellement vers le parking central, donc oui, du coup. Non, faut que j'arrête de gaspiller mes balles, c'est vrai. En bas, c'est dead, souris à l'envers. Oh! Je sais faire ça, moi. Hop, dans le pneu. Ah non. Regarde, là. Le patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars tout à l'amour.